Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. Et puis j'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. J'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix, j'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en rentrant au centre d'accueil parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment détruite à l'intérieur de moi parce que déjà, j'avais de la tristesse, de la colère et de la haine par rapport à ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Et j'ai gardé cette haine et cette colère pendant plus de 10 ans. Et je me disais que tôt ou tard, fallait que je me venge envers mes parents. Puis ça ne s'arrangeait pas parce que mon père me battait souvent parce que je suis l'aînée. J'ai grandi dans une grande famille, donc c'est moi l'aînée. Là, j'ai commencé à voler dans les affaires de mes parents, donc je faisais des virements. J'avais des envies de suicide, j'avais envie de passer à l'acte. Mais la même semaine où je voulais passer à l'acte, c'est une amie à moi en fait qui s'est jetée au 12e étage. Donc quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a tellement choquée que j'ai pas osé le faire. C'est le fait aussi qu'une personne m'a évangélisée dans une gare et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. C'était la campagne d'Israël et je savais pas qu'est-ce que c'était. Je me demandais, mais pourquoi cette campagne-là? Qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai écouté, c'était comme s'il fallait que je donne mon tout à ce moment-là. Moi, ce que représente pour moi la campagne, c'est vraiment une opportunité d'obtenir quelque chose, mais vraiment qui est impossible. Alors, à travers les sacrifices, ce qui a changé d'abord, c'est mon intérieur. Parce que j'étais une personne très furieuse, colérique, donc je suis devenue très calme. Pour moi, le centre d'accueil, c'est comme une deuxième chance, un nouveau départ. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans toute l'Europe, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et vous savez que dans le centre d'accueil, en ce moment, nous sommes dans le plus grand propos de foi que nous avons, la campagne d'Israël, de la foi d'Abraham. Alors, pour vous tous qui nous regardez, peut-être vous avez eu des problèmes, vous avez des situations difficiles, vous avez des complications dans votre vie et que vous vous demandez, est-ce qu'il y a une sortie de secours? Oui, il y a une sortie de secours. Et dans ce propos que nous faisons pendant trois semaines de foi, de marcher, d'apprendre et de fixer nos regards sur Abraham, alors c'est ce que vous pouvez venir découvrir ici au centre d'accueil. Vous allez regarder le témoignage de Jennifer, une personne qui est arrivée au centre d'accueil et aujourd'hui qui témoigne d'une manière ou d'une autre. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement à terre. C'est-à-dire que j'étais dépressive, angoissée,
peureuse, j'étais vraiment triste, je pleurais pour rien. J'avais en fait une vie d'apparence, parce que apparemment j'avais tout. J'avais un bon travail, j'avais tous les biens matériels qu'il fallait. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais mon futur mari qui était toujours avec moi. Enfin, j'avais une famille unie. J'étais toujours, enfin, d'apparence, j'étais bien parce que j'avais tout ce qu'on peut penser qui peut nous rendre heureux. Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment, mais vraiment à terre parce que je pleurais sans cesse. J'étais triste. Triste parce que j'avais à l'intérieur de moi un manque. J'avais pas confiance en moi. J'avais une famille qui était toujours là pour moi, toujours en train d'essayer de m'aider, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que à l'intérieur de moi, c'était ce vide. Ce vide qui, j'essayais de le remplir par les amitiés ou par le travail ou par l'argent, mais finalement, ça ne comblait jamais ce vide. Du coup, je rentrais chez moi le soir. J'avais mon copain qui m'attendait à la maison et je pleurais. J'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais. Sans cesse, tout le temps, c'était comme ça. Et c'était vraiment un poids sur mes épaules d'avoir cette tristesse parce que je devais pas montrer aux autres que j'étais triste ou que je n'allais pas bien. Parce que pour moi, personne ne pouvait comprendre en fait. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Bon, j'étais pas bien aussi parce que j'avais tellement des mauvaises pensées sur moi-même. Je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais pas réussir dans la vie. J'avais pas d'objectif même, j'avais pas de projets pour le futur. Je pensais que j'allais toujours travailler dans la même entreprise ou j'avais vraiment pas d'objectif ni de vision pour moi-même. Et ça, c'était dû au manque de confiance en moi que j'avais. J'étais vraiment, étant donné que je pensais que j'étais la pire des personnes, la pire fille qui existe sur Terre presque, je me disais, mais non, mais de toute manière, il y a rien pour toi, tu es trop nulle, tu vas pas réussir. Du coup, ces mauvaises pensées m'ont vraiment détruit de l'intérieur. Et du coup, c'est ça qui a engendré ma tristesse et ma dépression. Alors, j'ai connu mon copain très tôt, à 15 ans. Et du coup, lui, il faisait du foot, en fait. Et on s'est installés très vite ensemble à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai quitté chez moi à l'âge de 18 ans. Et on a pris un appartement ensemble. Et pour moi, bon, les premières années, c'était toujours très beau, tout rose, etc. Mais finalement, ça a pris une autre allure à partir du moment où on s'est installés ensemble. Parce que j'ai commencé à développer la jalousie extrême. Par exemple, il rentrait par exemple 10 minutes trop tard ou il ne répondait pas à son téléphone. Et là, j'étais complètement angoissée, j'étais complètement énervée, j'étais nerveuse parce que je me disais, étant donné que je n'avais pas confiance en moi, je me disais non, mais s'il n'est pas rentré à cette heure-là ou s'il ne répond pas à son téléphone, il doit être avec d'autres filles. Du coup, dès qu'il rentrait, c'était dispute, mais dispute vraiment totale. Hein. J'étais en crise de nerfs, je criais dans la maison parce que je me disais, mais non, mais il était avec d'autres filles, il était en train de me tromper parce que j'avais pas confiance en moi. Du coup, je pensais que lui, il était parti avec d'autres personnes, d'autres filles. En plus, comme il était dans le monde du foot, il y a beaucoup de personnes qui me disaient ça aussi. Donc, j'ai aussi entendu la voix des autres en disant, non, mais tu sais, les footballeurs, ils trompent leurs femmes ou des choses comme ça. Et du coup, j'avais tellement un manque de confiance en moi, c'était vraiment horrible. Et quand il rentrait à la maison, dès qu'il allait dans la salle de bain ou dans la chambre ou quelque chose comme ça, ce que je faisais, c'est que je regardais dans son téléphone. Tout était inspecté, son téléphone, je regardais s'il n'y avait pas des messages de filles, ses poches, son sac, enfin, comme si j'étais un détective pour rechercher justement le numéro d'une fille, le nom d'une fille. Et même, je faisais attention s'il n'avait pas des cheveux de fille sur ses habits. Et finalement, je n'ai jamais rien trouvé, mais c'était vraiment comme ça et c'était vraiment une angoisse totale, permanente. C'était vraiment très, très dur. Le moment le plus difficile, justement, c'est quand j'avais tellement pas confiance en moi que j'ai vécu une période où pour moi, c'était soit... J'ai pas pensé à me suicider, mais c'était soit je continue à vivre d'apparence, soit c'était soit je vis, soit je meurs. Mais si je vivais, je voulais pas continuer à vivre comme ça parce que je cherchais une solution, mais je trouvais pas de solution parce que ma famille, elle était toujours là à me dire... À me parler, on vous a des sorties, on vous a des choses comme ça, mais eux, ils ne savaient pas ce que je vivais à l'intérieur de moi. Mon mari, c'est la même chose, il ne savait pas non plus ce que je vivais à l'intérieur de moi. Il savait que j'étais... Bon, pour lui aussi, c'était pas très bien de vivre avec moi parce que j'étais toujours nerveuse ou des choses comme ça. Mais personne ne pouvait comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et le pire moment, c'était vraiment quand je me suis sentie, mais vraiment seule, seule au monde, seule à ne pas savoir où était la solution, en fait. Je me disais, non, mais
Est-ce que je vais vivre encore comme ça jusqu'à combien de temps je vais vivre encore comme ça, en fait? Je voyais, par exemple, jusqu'à 70 ans, jusqu'à mon vieil âge, je vais continuer à vivre avec cette peur, cette angoisse, cette insécurité. Et c'était vraiment ça le pire moment de ma vie. Alors, se sentir vraiment insignifiant, même j'ai eu l'opportunité de la parler en dehors dans les coulisses, parce que son partenaire qui joue au football, qui je crois jouait parce que maintenant il a eu d'autres options, d'autres objectifs, mais toutefois, comme on dit, la vie d'un footballeur, on se dit que c'est toujours entouré de femmes. Et pourtant, son compagnon ne le faisait pas. Son partenaire ne le faisait pas. Mais parce qu'elle avait un manque de confiance en elle-même, elle se disait automatiquement, elle le faisait. Et c'est ça qui causait des problèmes dans leur mariage. C'est ça qui causait des problèmes dans leur couple. Et pour couronner le tout, elle ne croyait pas en Dieu. Elle n'avait pas cette croyance en Dieu. C'est pour ça que n'importe quelle parole qu'elle pouvait écouter, n'importe quelle parole qu'elle pouvait entendre, si on la parle dans la rue, si on la disait que non, Dieu existe, alors ça allait rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Mais quand elle est arrivée au centre d'accueil, découvrez comment elle a pu adhérer et dire que aujourd'hui Dieu existe. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais de mon conjoint, qui lui-même a été invité par sa mère, en fait. On n'habitait pas en Île-de-France, en fait, on habitait dans le Nord. Donc du coup, j'ai été une fois, c'était au mois de décembre. Donc j'y suis allée une seule fois et c'était vraiment pour faire plaisir à mon conjoint parce que je me suis dit, bon, je vais les accompagner, ça va leur faire plaisir. J'y suis partie et je me suis dit, je ne vais pas y retourner parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, j'ai d'autres choses à faire et ça ne va pas être très utile pour ma vie. Donc du coup, j'ai mis peut-être un an et demi avant de revenir. Et après, au moment où on habitait en Île-de-France, dans l'Essonne justement, j'ai été invitée tout le temps par ma belle-mère, Au début, je disais non. Et finalement, je me suis dit, bon, de toute manière, là, j'ai rien à faire, je travaille pas, je vais aller voir comment ça se passe. C'est vraiment par curiosité, hein. Et donc, j'y suis allée. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à penser que peut-être ça pouvait être la solution à mes problèmes. Tout en doutant toujours, parce que étant donné que je ne croyais pas du tout en Dieu, en fait, auparavant, j'étais vraiment athée. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit, non mais du tout. Enfin, je suis arrivée vraiment avec un état d'esprit qui me disait, non mais Dieu n'existe pas, ta vie ne va pas changer comme ça. Et cependant, en faisant les réunions, en fait, du centre d'accueil, j'ai commencé à me dire, de toute manière, ta vie, elle est par terre, t'as rien à perdre. Donc, autant essayer de mettre les choses en pratique ou autant essayer de venir plus souvent pour écouter les choses, pour pouvoir voir si justement, soit Dieu existe, et s'il existe, alors il va faire un miracle, soit il n'existe pas, et dans ce cas, j'avais raison. Et donc, du coup, j'ai commencé à venir plus souvent. Ce que j'ai fait, surtout, c'est mettre en pratique ce qui sortait de l'hôtel, en fait. J'ai commencé à pouvoir écouter et mettre en pratique la parole. Je me suis dit, de toute manière, ça ne va rien me coûter de faire. Donc, j'ai commencé à mettre en pratique. Tout ce qu'il me disait de faire, je faisais. Sans penser vraiment que ça allait marcher, mais je me disais de toute manière, si Dieu existe, il va faire alors. Mais s'il n'existe pas, ben, ma vie va rester comme ça. Donc, j'ai commencé à mettre en pratique. J'ai aussi surtout participé aux campagnes d'Israël. Donc, les campagnes d'Israël, c'était pour moi... la première campagne d'Israël, lorsque je suis arrivée, je n'ai pas compris de suite. Mais au fur et à mesure, à un moment, j'ai compris que la campagne d'Israël, ça pouvait être justement la chose, entre guillemets, qui pouvait changer ma vie. Et je me suis dit non. Soit Dieu est, soit il n'est pas. Mais j'avais commencé à avoir des signes, en fait, qui me montraient que Dieu pouvait peut-être changer ma vie. Donc j'ai mis mon tout. J'ai mis mon tout sur l'autel, j'ai tout sacrifié. Vraiment tout, dans tous les domaines. Hein. Je suis restée sans rien. Mais de toute manière, j'en avais tellement marre de vivre en fait, cette vie que j'avais à l'intérieur de moi que je me suis dit non, mais de toute manière, je ne veux plus vivre comme ça. Ça n'a pas été facile parce que, étant donné que j'avais tout ce qui je pensais allait me rendre heureuse, je me suis dit mais oui, mais je ne peux pas sacrifier tout ça parce que après, comment je vais faire en fait? Et le mal à l'intérieur de moi, le mal-être à l'intérieur de moi était plus fort que ça. Donc je me suis dit non, ma vie, elle ne peut pas continuer comme ça. J'ai ça depuis toujours. J'ai les biens matériels depuis toujours, mais ma vie ne change pas.
Donc, autant voir si ça va changer si je sacrifie. Donc, j'ai tout sacrifié. Tout. Je me rappelle, c'était vraiment... C'est vrai que c'était pas facile, mais j'ai tout sacrifié parce que sans me poser de questions, et je me suis dit, ma vie, elle va changer. Donc, j'ai aussi participé au propos du vendredi, aux chaînes du vendredi, pour me dire que je me suis dit, en fait, le vendredi, c'est ça qui va pouvoir arrêter ma souffrance, en fait. Qui va pouvoir arrêter cette angoisse, cette tristesse, cette amertume, cette colère, cette nervosité. Je me suis dit, c'est ça qui va pouvoir arrêter ça. Donc, j'ai commencé à participer petit à petit, en fait, aux chaînes du vendredi. Et voilà. Alors, comme vous avez pu voir, la foi en action, par le défi qu'elle a relevé, une personne qui ne croyait pas en Dieu, elle a dit non. D'abord, elle venait pour faire plaisir parce que sa belle-mère l'a invitée. Et pour faire plaisir aux compagnons, pour faire plaisir à la belle-mère, laisse-moi venir parce qu'on veut gagner de la confiance envers notre belle famille. Donc, il faut se comporter d'une manière bien. Et c'est pour ça qu'elle venait. Mais en venant par la parole qui est sainte, cette parole qui sortait de l'autel, elle a commencé à changer ses pensées. Elle a commencé à voir cette chose à l'intérieur d'elle qui est la foi, commencer à être actif, commencer à s'intéresser. Et après, elle a relevé le défi. Et c'est ce qu'on appelle la foi en action. Elle a relevé le défi. Et à travers la campagne d'Israël qui est venue, elle a participé. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se faire dans la foi d'Abraham. Cette campagne d'Israël est en train d'être annoncée. Ce qu'on a demandé à Abraham, c'était l'impossible parce que son corps était déjà usé. Sarah n'était plus en état d'avoir un enfant. Mais comme celui qui fait l'impossible devenir possible, il lui a fait une promesse que l'enfant que tu vas avoir va sortir de tes entrailles. Et comme l'impossible à nos yeux, parce qu'une femme âgée de 90 ans ou un homme plus de 100 ans, dans notre époque, c'est imaginable. C'est imaginable. Et c'est pour vous montrer que si vous utilisez votre foi par le sacrifice que vous allez faire, alors c'est sûr et certain qu'il va répondre. Parce que le sacrifice, c'est le langage de Dieu. C'est parler avec Dieu. Et quand vous le faites, alors il répond. Regardons ce que Jennifer a reçu et après, on va revenir pour la suite de notre émission. Alors, ma vie aujourd'hui, à travers les campagnes d'Israël, les propos au centre d'accueil universel que j'ai suivi, ma vie a été totalement transformée. J'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette peur, j'ai plus cette nervosité que j'avais auparavant. J'ai vraiment été transformée de l'intérieur. Et c'est ça qui a pu surtout transformer ma vie. C'est que j'ai aussi participé au jeûne de Daniel, au propos du jeûne de Daniel. Et à travers cela, je me suis donnée vraiment à 100% à Dieu. Et Dieu a répondu, il m'a donné le bien le plus précieux que je pouvais recevoir, qui est son esprit, bien sûr. Donc auparavant, j'avais tout, mais j'étais très malheureuse. Maintenant, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment, pour être comblée, le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai également tout, mais j'ai surtout le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça qui a pu changer totalement ma vie. J'ai plus cette peur, ou j'ai plus cette insécurité que j'avais auparavant, qui m'empêchait de vivre en fait. Maintenant, je suis vraiment en paix, avec la joie, j'ai plus cette peur ou ces choses négatives qui avaient à l'intérieur de moi. Et aussi, ce qui a changé, c'est ma pensée, parce que j'ai plus ces mauvaises pensées sur moi-même. Maintenant, je sais que je vais pouvoir réussir, parce que si on a Dieu à l'intérieur de nous, ben, rien ne peut nous arrêter. Donc, j'ai plus cette mauvaise pensée, ce manque de confiance en moi que j'avais auparavant, tout ça a disparu vraiment totalement. Alors, concernant ma vie sentimentale maintenant, ça aussi a été transformé. Auparavant, j'étais vraiment pas bien. Et maintenant, en fait, à partir du moment où on est arrivé au centre d'accueil universel avec mon conjoint, on a vu que ce qu'on faisait, en fait, ou que notre vie sentimentale n'était pas du tout appropriée à la parole de Dieu. Donc, au bout de 6 mois où on était au centre d'accueil, on a décidé de se marier. Donc, on s'est mariés. Et à partir de là, on a recommencé notre vie sentimentale à zéro. Comme si on n'avait pas vécu auparavant. Donc bien sûr, ce n'était pas facile, mais on s'est dit non. En fait, auparavant, on était malheureux. Maintenant, on doit être heureux. On va être heureux parce que la base, en fait, de notre mariage, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas les paroles des autres ou ce n'est pas les,
les choses du monde ou des choses comme ça. C'est vraiment la parole de Dieu qui est notre base. Et ça a vraiment transformé ma vie sentimentale. Et maintenant, nous sommes totalement heureux. Maintenant, non, la jalousie est complètement terminée. Je lui fais confiance à 100%. Étant donné, j'ai trouvé confiance en moi, alors j'ai totalement confiance en lui. Plus de jalousie, plus de crise de nervosité parce qu'il est rentré trop tard ou parce qu'il ne m'a pas répondu au téléphone ou des choses comme ça. Non, plus du tout de choses comme ça. C'est vraiment totalement transformé. Le centre d'accueil pour moi a vraiment été le lieu de la transformation de ma vie. C'est vraiment une école, pour moi, c'est vraiment une école qui a transformé ma vie et qui continue à transformer ma vie. Ça représente tout pour moi, le centre d'accueil universel. Bon, vous avez pu voir qu'est-ce qu'elle a reçu maintenant et qu'est-ce qu'elle a. Et si elle a témoigné ici sur le plateau de cette émission, alors c'est sûr et certain qu'à partir de maintenant, elle croit en Dieu. Alors, qui peut changer le cœur d'une personne qui, on peut dire, était athée et aujourd'hui, elle croit? Nous, nous ne pouvons pas le faire. Le centre d'accueil ne proclame pas que nous le faisons, mais les Saintes Écritures le font. Alors, si vous êtes là, vous avez une difficulté, vous avez des différences dans votre famille, des conflits, des problèmes dans votre mariage, même voire même les divorces, même avoir la séparation. Alors, vous pouvez venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad. Ou bien, vous pouvez emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Lublin. 5 minutes de marche, vous y êtes. Dans n'importe quelle réunion, vous allez recevoir une parole de cette campagne d'Israël que nous sommes en train de participer en ce moment, que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de nous-mêmes, ça commence par nous, les personnes qui sont ici au centre d'accueil, pour vous emmener vers le chemin de la victoire. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil qui se trouve proche de chez vous, alors vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12 et il y aura des informations qui vous seront prodiguées, qui vont vous renseigner vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous si vous êtes en Île-de-France ou bien vous êtes dans les provinces. Et si vous voulez connaître à peu près, avoir le thème de cette campagne d'Israël, de la foi d'Abraham, alors vous pouvez aller sur www.centredaccueil.net. Et vous, quand vous allez naviguer, c'est sûr que ça va vous emmener dans des horizons que vous serez comblés et votre foi va agir. Donc, on va revenir après le témoignage de Huguette, une autre personne qui a participé à la campagne d'Israël et qui est sortie vainqueur. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui était angoissé, stressé. J'avais la peur, j'avais toujours peur. Peur qu'il arrive quelque chose à ma fille, peur qu'il puisse m'arriver quelque chose. Mais je n'étais pas bien du tout. Et ça n'allait pas dans ma vie. Très colérique. J'avais mauvais caractère. Peut-être parce que j'ai plein de choses qui étaient en moi qui, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer à quoi que ça... Je ne sais pas, mais je sais ça. Il y avait beaucoup de mon travail par rapport à mon travail. Ma vie sentimentale, c'est quand j'ai vécu 7 ans avec le père de ma fille, on vivait ensemble. Et au bout de 8e année, on vivait ensemble. Il est parti, il m'a quitté. Il est parti en vacances aux Antilles et il s'est marié. Il m'a laissé dans la maison où on vivait. Je ne savais pas qu'il allait se marier. J'ai su ça après. Un jour qu'il a envoyé un courrier, il a téléphoné à une voisine pendant que j'étais dans la maison et il a dit à la voisine est venue me chercher au marché en me disant « Voilà, j'ai reçu un courrier de le père de ma fille, ta fille. Il m'a dit qu'il allait se marier le samedi. » Ah, j'ai dit « Ah bon ?» Mais lui, il ne m'avait rien dit. Et dans le courrier, il a marqué « Je vais me marier, ça me fait de la peine pour Huguette, mais la vie ne s'arrête pas là. » Alors, j'ai senti la colère en moi, la haine. Si je pouvais lui, s'il était en face de moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tellement que j'étais en colère. Parce que quand il aurait pu me le dire, mais il ne m'a rien dit. Et j'avais ma fille avec moi. Oui, j'étais malade aussi. Là, c'est l'année de cette année, j'étais malade. J'étais hospitalisée à l'hôpital Beaujon. C'est mon docteur qui m'a envoyée à l'hôpital Beaujon en urgence. Parce que je lui avais expliqué que j'avais mal sur mon côté, sur le côté du visage.
Et quand elle m'a consultée, elle m'a dit qu'il fallait aller en urgence à l'hôpital. Parce que pour elle, elle ne m'a pas dit ce que c'était. Elle ne m'a rien dit parce que je rigolais. On dirait qu'elle avait pas elle croyait que j'y allais, je ne vais pas y aller. Mais je suis allée quand même. Elle m'a dit de téléphoner à ma famille, de dire à ma famille que je vais en urgence à l'hôpital. Mais la maladie, je n'avais pas peur. J'avais une confiance en moi. Quand elle m'a dit d'aller à l'hôpital, ben j'ai dit, je ne vois pas pourquoi qu'elle me dit d'aller à l'hôpital, j'ai rien. J'avais une paix à l'intérieur de moi, même quand j'étais hospitalisée. J'étais bien. Je suis arrivée au centre d'accueil parce que c'est ma fille qui m'a amenée au centre d'accueil. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais là, je regardais, je ne participais pas. J'étais assise là, je ne priais pas, j'étais là. Et après, petit à petit, ça a commencé, je venais tout le temps à l'église. Et après, ça m'a intéressée. Je me suis sentie bien après. Et ma santé, j'ai été hospitalisée au mois de mars. Je suis à l'hôpital Beaujon. On m'a envoyée en urgence à l'hôpital. Ils ont peut-être pensé que je faisais une AVC, mais ils ont vu que ce n'était pas ça. Mais je suis restée 6 jours à l'hôpital. Et après, je suis sortie, ils m'ont donné des médicaments. Et après, au mois d'avril, 8 jours après, j'ai été hospitalisée. Et j'ai fait le sacrifice en demandant à Dieu. Je fais ce sacrifice pour ma guérison. Là, je veux la guérison de cette maladie qu'on m'a dit que j'avais. Et j'ai sacrifié. Mais pour moi, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Je voulais la guérison. Et j'ai dit, je vais sacrifier. J'ai dit à demander à Dieu ce que je devais faire. Et Dieu m'a dit ce que je devais faire comme sacrifice. Non, ça va, je ne fais plus de cauchemars, je dors bien la nuit, je ne fais plus de cauchemars, tout va bien. Ma santé, justement, j'ai été guérie ce mois-ci. Le centre d'accueil représente beaucoup pour moi. Je peux dire, sans le centre d'accueil, sans Dieu, je ne suis rien. Il n'y a que Dieu est tout pour moi. Alors, comme vous avez pu voir le témoignage du Guette, une autre personne qui a participé à la campagne d'Israël et qui a vu sa santé changer, une personne qui bouillait en elle-même, une personne qui était vraiment difficile, mais aujourd'hui, sa santé a été rétablie. On ne dit pas que les docteurs ne peuvent pas soigner, mais il arrive un moment qu'ils ne savent plus quoi faire. Et c'est là que la guérison divine intervient pour ceux qui croient, pour ceux qui veulent. Alors la campagne d'Israël, elle est à votre disposition en ce moment et on vous invite à venir vous renseigner, à venir écouter cette parole, à venir entendre et peut-être le Dieu d'Abraham vous parlera. C'est à vous maintenant de faire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse.